Bonjour de Bratislava. Je voudrais tout d'abord féliciter à tous les profs de français pour leur choix de profession. Je fais partie de cette communauté depuis 23 ans et j'en suis fière. Devenir prof, c'était mon rêve d'enfance. Je donnais des cours à mes peluches et à mes poupées. Mais pourquoi être prof de français? Je trouvais la réponse à cette question pendant mes études au lycée. Je me souviens très bien de mon premier cours de français. Une dame élégante, souriante, pleine d'enthousiasme, est entrée en classe et elle a commencé à parler français. Et c'est à ce moment-là où je suis vraiment tombée amoureuse de la belle langue française, et je le suis toujours. C'est là où je me suis dit, si je deviens prof, c'est prof de français. Nous, les profs de français, on est les vrais porteurs de la flamme de la francophonie. La flamme qui est là depuis des siècles. La flamme qui restera toujours et qui s'éteindra jamais. Le français, c'est non seulement la grammaire ou le lexique, mais c'est la culture, la littérature, l'ouverture d'esprit. Et c'est ça ce qui est très important. C'est au prof de le transmettre à ses élèves. Un prof qui attend que ses élèves le dépassent, qu'ils deviennent encore meilleurs que lui. Et c'est le moment qui est le plus important dans la vie professionnelle d'un prof. Mes élèves sont meilleurs que moi. Mes élèves deviennent les personnages qui sont complets et qui font leur belle carrière. Les jeunes, si vous hésitez, n'hésitez plus. D'être prof, c'est très beau, même si parfois c'est fatigant et difficile, mais d'être prof, c'est vraiment un beau métier. Vous restez toujours jeune de l'esprit. Vous êtes entouré par les jeunes. Vous voyez les générations à grandir, mais surtout, ce qui est très joli, c'est s'il y a un élève qui vous dit, Madame, Monsieur, j'ai commencé à parler français grâce à vous, et je parle toujours français grâce à vous, parce que vous m'avez donné de bonnes connaissances, mais aussi l'amour de la langue et de la culture française. Et encore mieux, si un élève vous dit, Madame, Monsieur, je suis devenu prof de français grâce à vous. Alors, on vous attend les jeunes. On attend vos idées, votre enthousiasme. Et ceux qui enseignent depuis un certain temps, je vous souhaite de trouver toujours beaucoup d'idées, d'être toujours ce porteur de la francophonie, d'être porteur de l'ouverture d'esprit. Et je souhaite à tous les profs de français du monde entier de démontrer cet amour pour le français à vos élèves. Merci et bon courage à tous.